Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishma d'Avraham de Rabbi Nisrik, venu de Rabat Esther, Rachel, Bracha, Bat Masouda, ainsi que l'Urfouat, Abba David, Ben Esther, et Esther, Bat Isa, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi des deuxièmes prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Ktuvot. Perek Aleph Mishnah Gimel, Agadol, Sheba Alaktana, Vekatan, Sheba Alakdola, Umukat Etz, Ktubatan, Mataim, Divrei, Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Mukat Etz, Ktubata, Mane. Je vais commencer à traduire la Mishnah, puis après on l'expliquera. On a déjà introduit toutes ces notions dans la Mishnah précédente. Agadol Sheba Alaktana. Un grand, un adulte, ou même un grand, n'importe qui, plus de 9 ans, qui a un rapport avec une petite fille. Ou encore Vekatan Sheba Alakdola. Ou encore un enfant de moins de 9 ans, qui va avoir un rapport avec une grande femme. Ou encore une Mukat Etz. Une femme qui a pris un coup de bois, littéralement, un coup de bâton. À l'endroit, bien évidemment. Toutes ces sujets-là, Ktubatan, Madaim, il faut s'engager à lui donner une Ktuva de 212. Divrei Rabbi Meir, tel avis de Rabbi Meir, Chachamim Omrim, Chachamim nous disent attention. Mukat Etz, Ktubatan, Mané, je ne suis pas d'accord avec toi sur la femme qui a pris un coup de bois, eh bien, il faut lui donner une Ktuva de 1 Mané. Là, cette fois-ci, on n'est plus en situation où on parle a posteriori. La Mishnah parle a priori. Quelqu'un qui va se marier avec une femme qui sait qu'elle a été abusée quand elle avait 2 ans. D'accord? Qui a eu un gadol chez Balaktana, un adulte, un grand, qui a eu un rapport avec une petite fille de 2 ans. Elle a violé. Donc, comme on expliquait dans la Mishnah précédente, après 3 ans et 1 jour, les Betulim reviennent. Donc, en fait, biologiquement parlant, si on va dire, ou médicalement parlant, je ne sais pas, c'est une femme qui est fermée. Mais en réalité, on sait que quand la canette, elle était encore pas encore fermée, quelqu'un l'a mis dedans. D'accord? Quand elle avait encore 2 ans, quelqu'un a eu un rapport, mais un rapport qui n'a pas laissé d'empreinte. Mais on sait qu'elle a eu un rapport. Ou encore, autre situation. Cette fois-ci, c'est un petit enfant de moins de 9 ans, que c'est bientôt le la bia chez un homme qui peut avoir un rapport qui va être considéré comme un rapport, c'est que à partir de 9 ans. Moins de 9 ans, c'est un petit enfant pervers de 8 ans, Shalom, Shalom est là, qui va avoir un rapport avec une femme, l'agma, elle définit ça, Kenoten Etzba Benchinea. Comme si, qui mettait le doigt quelque part. Pas plus. C'est pas considéré comme un rapport. C'est pas encore un membre qui est censé produire quoi que ce soit, donc c'est pas considéré comme un, comme si qu'il a mis son membre génital dedans, pour le moment c'est juste un. C'est comme si elle avait mis un doigt dedans. Ça n'a pas de valeur, ça invalide pas la femme. Malgré tout, ça souille un peu la femme, vous allez me dire. Imaginez maintenant quelqu'un qui se marie avec une femme, qu'il sait qu'il y a eu un enfant de 8 ans qui a eu un rapport avec elle. Il doit lui donner une Ktuva de combien? De 200 ou 200? La Mishnah a dit une Ktuva de 200. Parce que concrètement, il n'y a pas eu pour le moment tromperie dans. Il n'y a pas eu d'achat trompé non plus. Et ça s'appelle vierge. Même s'il y a eu un écart pas joli n'invalide pas une femme. C'est-à-dire qu'un homme qui se marie. On a expliqué, peut-être qu'il faudrait peut-être une petite introduction d'abord, plus simple. On a expliqué qu'un homme qui se marie avec une femme, qui est en sainte vierge, et qui réalise qu'en réalité elle n'était pas vierge, il la divorce sans lui donner de Ktuva. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui se marie avec une femme qui est en sainte vierge. Et réellement elle était vierge. Mais quand elle était jeune fille, elle a fait plein de choses pas propres. Mais en restant vierge, elle a gardé ce qu'il fallait. Bon, je ne parle pas de par derrière, d'accord? C'est encore une autre histoire. Ça touche aussi à cette vie. La Gemara en parle, j'ai oublié la chak, comment on a retenu. Mais en tout cas, donc je préfère pas parler de la Gemara dans. À la fin, dans Yvamot et dans Ktuvot, je crois. Il y a. Pour le moment, on va prendre. Elle a fait d'autres choses sales, mais pas de pénétration. Alors là, lui, il va se plaindre. Il dirait, je savais pas que ma femme, elle était tellement. Non, c'est pas une tana. Concrètement, son corps, il est intact. Il n'a pas été touché. C'est sûr que j'aurais préféré savoir que ma femme, quand elle était jeune fille, qu'elle ne mangeait pas des sucettes tous les jours. Et alors, ce n'est pas une raison pour divorcer. D'accord? C'est le principe. Donc on s'intéresse à savoir ce que concrètement, son corps, il a été modifié par un ovni qui est rentré dedans. Et la Mishnah, elle a, pour toutes ces raisons-là, puisqu'il n'y a pas eu quelque chose qui est défini comme un rapport, elle s'appelle encore vierge, donc cette ktuvah est de 212. Et la Gemara parle même aussi de Mukat Etz, c'est qu'elle a pris un coup de bois, c'est en fait, c'est qu'elle a eu quelque chose qui est entré dedans. Ouais, vous savez bien, chez nous les bons juifs, les jeunes filles n'utilisent pas toutes sortes de tampons et toutes sortes de choses pour même pour éviter
les règles, j'utilise des couches, et justement à cause de ça, garder la virginité au maximum. Mais mon cas-tête, c'est fréquent, là, même une femme qui monte à cheval, ça peut lui arriver que ça se craque. Elle s'appelle Moukatet, c'est qu'il y a eu un bois qui est rentré dedans. Soit, en fait, il y a eu quelque chose qui est parti. Cette fois-ci, à la différence. Dans les deux premiers cas, la membrane de la virginité est encore là. Le sang est là, sauf qu'elle a eu un rapport sans que ça perce la membrane. Là, dans cette deuxième situation de Moukatet, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas eu de rapport avec un étranger. Mais il y a eu la membrane qui a été perforée. Alors, la Mishnah nous dit, ben, toutes ces situations-là, si on sait que c'est le seul problème qu'il y a eu, et bien, Ktuvatan Mataim, il faut leur donner une ktouva de 212. Ouais, même si le mari, a priori, il faut s'engager à 212, ou comme nous dit le Barthénois aussi, le mari, il ne savait pas, mais après, c'est qu'après coup qu'il apprend que c'était ça l'histoire qu'il a eu avec sa femme, et bien, dans toutes ces situations-là, il devra donner 212 comme une femme vierge, parce que concrètement, elle s'appelle vierge. Comme je répète, que ce soit parce qu'elle a eu un rapport qui n'était pas considéré comme un rapport parce que ça garde la virginité, ou encore, si toutefois il manque la membrane parce qu'elle a été perforée, mais pas un objet qui était pas un membre humain. Donc dans tous ces cas-là, Ktubatan Mataim, il faut leur donner le dernier Ktubat de 212, dit Rabbi Meir, t'es la vie de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, non, Mukat Etz, je ne suis pas d'accord avec toi sur le sort de Mukat Etz. Je suis d'accord avec toi pour les deux premiers cas. Parce que si c'est un grand qui est parti avec une petite fille ou moins de 3 ans, ou une petite fille ou un petit garçon de moins de 9 ans, qui a eu un rapport avec une adulte, avec une femme plus grande, dans tous ces cas-là, je suis d'accord avec toi que finalement, son corps, il est resté encore un corps de Betoula. Mais si toutefois, elle a eu Mukat Etz, elle a eu un bois qui est rentré dedans et qui a perforé la membrane, et alors là, dans ce cas-là, non, il faut lui donner qu'une ktouva de 112 uniquement, mais attention! Il devrait donner 112, mais là, il ne pourra pas se plaindre qu'il y a eu tromperie dans l'acquisition. En disant, je me suis marié avec une femme vierge, finalement, elle n'est pas vierge. Non. Là, à la différence, ouais, comme on avait dit, un homme qui se marie avec une femme qui est vierge et que finalement, il réalise qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un, il a divorce sans le donner de Ktouba. Un homme qui se marie avec une femme qui est vierge et que concrètement, elle n'a jamais eu de rapport avec personne, mais qui se dit, ouais, mais j'ai pas trouvé la membrane à l'intérieur parce qu'en réalité, elle m'avait caché. Que quand elle était jeune fille, elle avait reçu un coup de bois qui était rentré dedans, et à cause de ça, il n'y avait plus de Betoulim. Elle me l'a caché, donc je me plains. Alors là, non, il n'y a pas de quoi annuler la vente, on fera juste une ristourne. On lui dira, tu ne payes pas 212, tu payes 112 comme une femme qui était Béoula, mais pas plus. Mais pas moins que ça, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.